Yo tout le monde, c'est Soli sans trophée. On se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle mise à jour de The Crew 2 Inner Drive, la sixième update. Alors aujourd'hui du coup, je vais vous présenter les nouveautés de la mise à jour Inner Drive. Ça va se composer en 5 vidéos. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 4 nouveautés, donc 4 ajouts dans The Crew 2. À chaque fois, je vais faire 5 vidéos, je vais faire une vidéo, 4 nouveautés, donc la vidéo ne durera pas très longtemps, mais je préfère faire plusieurs vidéos au lieu d'en faire une vidéo qui dure 40 minutes et que la mise en ligne va être très très longue pour moi, donc je préfère, voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 4 nouveaux types d'objets de vanité. Je vais vous présenter des objets de vanité. Donc des objets de vanité dans la boutique. 20 objets supplémentaires qui seront automatiquement offerts aux joueurs lorsque la mise à jour sera en ligne. Je vais vous présenter aussi ça. Et aussi, je vais vous présenter les live summits qui sont cette semaine. Voilà. Donc, on va commencer par choisir un nouveau look. Donc, cette vidéo sera départagée en. Donc, là, je suis sur un autre compte pour vous montrer les nouveaux personnages parce que ça fait partie aussi de la nouvelle mise à jour. C'est qu'on a du nouveau look maintenant. Donc, on a cette personne-là, qui est très très jolie en vrai, honnêtement. Moi, je serais une fille, je prendrais cette personne là clairement. Ensuite, on a ce look là, on a cette personne, ils sont vraiment sympathiques hein. Ça, c'est cette personne là, c'est celle que je vais prendre. Lui, il est stylé aussi. Et le dernier, regardez, il va faire un dab, regardez. Donc du coup, eh ben, nous, on va prendre cette personne-là. Alors malheureusement, le jeu est en maintenance. Du coup, là, normalement, vous avez normalement eu une petite annonce avant. Et il y a le hobby qui sera bientôt disponible sur The Crew 2, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc dans une autre vidéo parmi les 5. Voilà. Donc on va choisir ce look-là. C'est parti. Donc on va continuer notre aventure. Donc là, juste pour vous dire, je suis sur un compte secondaire juste pour vous présenter les nouveautés. Hein. Ça, c'était la maintenance du coup qu'il y avait eu. Donc Alors là, donc ici, ça a changé un peu ici. Alors ça, je vous montrerai un peu plus tard. Nous, ce qui va nous intéresser. Bah c'est qu'on va aller au QG déjà, on va aller au QG Street Racing en passant par là. Donc déjà, je vais vous montrer les 4 nouveaux types d'objets de vanité. Voilà, donc je vais vous présenter les 4 objets de vanité. Et en fin de vidéo, je vais vous montrer une voiture. Donc une nouvelle voiture, mais ça sera sur mon autre compte. Parce que bien évidemment, ça sera sur un autre compte. Donc la vue troisième personne aussi, je vous en parlerai un peu, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Toutes les nouveautés, tous les ajouts, je vous en parlerai durant 5 vidéos. C'est pour ça que je fais plusieurs vidéos. Et aussi en plus. Alors du coup ils ont enlevé un pack, alors ils ont enlevé le pack, je sais plus comment il s'appelait mais il y avait un pack, et malheureusement il y avait un pack qui était buggé, et du coup ils ont été obligés tout simplement de retirer le pack. Donc là je vais vous montrer les vanités, donc ça c'est des nouvelles vanités, donc ça c'est les emotes pour la course, donc ça c'est les emotes. Donc ça c'est quelque chose qu'on va. Enfin, je vais vous montrer un peu plus tard comment ça va fonctionner. Ça c'est des teintes de vitres noires. Donc c'est des vitres teintées en noir. Donc ça n'existait pas avant. Hein. Donc ces émoticônes en 2D, ces vitres, les vitres teintées n'existaient pas. Et les klaxons, donc on va dire des klaxons, c'est mieux. Les klaxons, du coup, ça n'existait pas. Et là c'est un klaxon qui fait de la musique. Ça c'est pas mal ça. C'est-à-dire que quand on va klaxonner. Donc on va faire un aperçu. Mais quand on va klaxonner, et ben on aura une musique.
comme cette musique là. C'est pas mal, hein. Honnêtement, c'est stylé. Alors par contre, après, j'ai pas du tout assez de coups crédit, vous voyez, j'ai que 6000. Mais après, je suis sur mon compte second d'ailleurs, hein. Sur mon compte principal, j'en ai plus que 4000, hein, des coups crédit, donc honnêtement, je peux me faire plaisir. Donc voilà, donc ça, c'est les nouveautés. Donc on a les emotes, les vitres teintées et les klaxons. Donc on a aussi la nitro personnalisée. Alors la nitro personnalisée, du coup, elle se trouve. Alors la nitro personnalisée, on l'a pas ici. Bon, là, sûrement dans un pack, je pense. On va juste regarder le pack. Donc ici, c'est pas ici. Est-ce que c'est dans ce pack-là? Il n'y a pas la nitro personnalisée dans le pack, hein, c'est bizarre. Bah pourquoi pas. Normalement, vous avez la nitro personnalisée, normalement. Mais là, elle n'y est pas. Alors, peut-être que du coup, ça a été retiré. Avec la mise à jour, enfin, la maintenance qu'il y a eu, ça aurait été un peu bizarre, mais bon. Donc, on va aller à la maison. Donc, du coup, je vous ai montré quelques objets de vanité. Il y a 20 objets supplémentaires. Donc là, je vais vous montrer du coup les objets, les klaxons. Donc je vais vous les montrer, les klaxons. Alors, on va couper le son voilà, de cette télé. Ouais, parce que c'est juste pour le copyright, hein, que je fais ça. Donc dans les vanités, voilà, ce qu'on a de nouveau maintenant, c'est ça. Donc du coup, je vais vous faire écouter tous les sons. Alors, je vais juste comment on fait pour écouter? Et comme ça. Ça, c'est tous les klaxons qu'on a dès le début du jeu. Voilà. Donc ça, dès que vous vous connectez sur le serveur, vous avez tous ces klaxons. Et aussi, je vais vous du coup vous montrer les live summits maintenant. Alors malheureusement pour les vanités, j'ai pas la les enfin j'ai pas la comment ça s'appelle? Ouais, j'ai pas la nitro personnalisée dans le shop, ce qui est un peu bizarre. Je n'ai pas les vanités dans le shop. Mais après, peut-être que du coup sur mon compte, mon compte principal, peut-être que sur mon compte principal ça l'est. Je sais pas trop quoi dire. Parce que là, parce que là, dans Vanité, on a que ces trois-là. Et on n'a pas du tout des néons. Enfin, la fumée. Enfin, pas la fumée, mais ouais, ce qui sort du coup, l'échappement. Bon, je vais vous retrouver sur mon compte principal. Je vais faire juste une ellipse. Donc, pour vous, je serai avec mon autre compte. Donc, du coup, je coupe la vidéo ici. Mais je vais aller avec mon autre compte et voir du coup s'il y a bien les objets de Vanité. Enfin, la nitro personnalisée, parce que j'aimerais bien vous montrer quand même la nitro personnalisée, surtout que j'ai un véhicule sur mon autre compte qui a la nitro personnalisée, donc au cas où que ça a été enlevé, je l'ai quand même. Donc je fais une ellipse, donc je coupe et je vous reprends dans quelques secondes. Pour moi, il va se passer 5 minutes entre le moment où je vous parle maintenant. Allez, à tout de suite. Re tout le monde. Donc du coup, on est sur mon compte cette fois-ci principal, vous voyez, on est sur mon compte icône avec 1458. Alors malheureusement la nitro personnalisée de couleur rouge a été retirée de la boutique, hein. Mais avant que ceci est supprimé, j'ai tout simplement le véhicule en question. J'ai le véhicule du coup. Le fameux véhicule où le nitro a été malheureusement
fait combat, mais la Nitro a été enlevée parce que le problème c'est qu'il y avait un bug avec le pack. Hein. Et vu qu'il y avait un bug, du coup ça a été retiré. Donc finalement, bon, on n'a pas de Nitro personnalisé finalement pour cette semaine. Du moins parce qu'ils l'ont retiré. Hein. C'est un petit peu bête, on va dire. Et aussi quelque chose qu'ils ont fait, que maintenant qu'on va choisir un véhicule, vous avez vu, le chargement du véhicule est beaucoup plus rapide. Ça, c'est quelque chose aussi que j'avais remarqué qui est vraiment bien quand on fait une présentation des véhicules. Donc voilà, c'est celui-ci du véhicule. Malheureusement, c'est ce véhicule-là qui est buggé. Voilà, c'est ce véhicule-là qui est buggé. Mais du coup, je vais vous montrer du coup la Nitro personnalisée. Donc du coup, on a les néons. Et donc du coup, une voiture. Donc celle-là, ça fait. C'est la voiture que j'ai achetée avec le pack avant que le pack se fasse retirer de mon coffre. Et la Nitro que j'ai ici. Bah, c'est la Nitro que normalement on avait déjà dans le Neon Shop et compagnie. Et la couleur de Nitro rouge. Mais malheureusement, ils l'ont retiré justement cette Nitro rouge. Enfin, ils l'ont pas retiré volontairement. Ils ont retiré le pack. Hein. On a acheté cette voiture avec les néons orange et la Nitro de couleur rouge. Et malheureusement, en faisant ça, ils ont retiré la Nitro de couleur rouge, malheureusement. Alors c'est bête parce que du coup, pour les personnes qui viennent d'arriver, ben, la couleur rouge a été retirée. Alors je sais pas du coup quand elle va revenir, la couleur rouge, parce que ben, c'est vrai que c'est un peu bête là pour le coup. Donc du coup, vous voyez, maintenant on a ça, donc ça c'est un nouveau véhicule, c'est la Shelby. On va en faire un petit tour avec, comme ça. Donc là, je vais enchaîner les 5 vidéos, donc moi je vais vous présenter toutes les nouveautés, mais vous, ça sera espacé de une journée, de 24 heures entre les 5 vidéos. Donc voilà. Et dans 2 jours, je vous présenterai la voiture la plus belle qu'on attendait, la Zesco, il me semble que ça s'appelle comme ça. C'est un hypercar. Donc je vais vous faire un petit teasing pour déjà vous montrer qu'il y a une nouvelle voiture. Elle est trop bien, enfin c'est une voiture que je vais vous présenter plus tard plus tard, hein, pas maintenant. Voilà, la Zesco. Et bien ce véhicule-là, je vous présenterai, donc je vous montrerai la vue intérieure, la vue, enfin tout ça, mais plus tard, hein, pas aujourd'hui. Et oui, il faut avoir un petit peu de suspense. Hein. Donc du coup, ben, moi je vous quitte du coup pour aujourd'hui, donc du coup demain, on va se faire 4 ajouts en plus. Donc allez, à demain. C'était Solution Trophée.